bonheur. Il est là sous mes yeux, troublante image d'un passé qui ne fut jamais trompé. Un concours pareil, c'est une réelle chance et une réelle opportunité de pouvoir remettre l'église au milieu du village et dire tout simplement que en salle, il y a aussi quelque chose qui se passe. On est là au quotidien pour œuvrer pour le plaisir du client avec un travail partagé, main dans la main avec l'équipe de cuisine, pour le plaisir du client. C'est simplement ça. On rôtit des pièces entières, on les découpe en salle, on les présente et on continue cette histoire que le chef, avec son équipe, a pu commencer dans ses casseroles. Nous, on la termine là, à table. Mes motivations, elles sont très simples. C'est rencontrer des professionnels passionnés, c'est pouvoir échanger sur l'expérience du quotidien, parce qu'on a tous dans nos maisons un quotidien qui est différent, et il faut que l'on s'apporte un maximum, que l'on échange sans pudeur par rapport à ce que l'on fait, et c'est ce qui va nous permettre à tous d'avancer. La scène du Syrah, elle est là pour nous mettre en valeur à un niveau international, et ça c'est juste extraordinaire d'avoir cette chance-là. Tous les jeunes vont être touchés, motivés, il y a une myriade de blogs qui tournent maintenant depuis peu autour du service, et on a quelques acteurs dont je ne citerai pas les noms qui font un travail extraordinaire par rapport à ça. Donc venez nous voir. Venez voir au Syrah ce qui se passe, mais ne venez pas voir que les cuisiniers. Il y a aussi des serveurs qui font un super boulot, et nous, on est là pour ça. Le maître d'hôtel de demain, il est hyper complet, techniquement. Il sait beaucoup de choses, mais il sait surtout s'émanciper par rapport à tout ça et à tous ces codes qu'on lui a collés sur le dos. Il faut être accessible, il faut avoir comme priorité le plaisir du client, la transmission auprès de ses équipes, et puis être un réel chef d'orchestre, celui qui va régler les petits détails. Je pense que le maître d'hôtel de demain, il est là pour tout simplement accompagner le client dans son moment privilégié, parce qu'on ne vient plus au restaurant pour manger ni pour boire, on vient au restaurant pour une expérience, on vient au restaurant pour un moment de détente, de plaisir, et c'est nous qui vous accompagnons là-dedans. On a une culture française qui est représentée à l'international par l'assiette, le vin, l'art de la table, la préséance, tout ce savoir-vivre, tout ce savoir-être et ce savoir-faire de notre métier passion que l'on vit au quotidien. Il faut absolument qu'on puisse le défendre. Et ça passe par une implication quotidienne, c'est certain. Ne pas oublier tout ce qui a été fait avant, mais surtout, avec la mondialisation du tourisme, se souvenir qu'il faut être respectueux envers les nouvelles cultures qui viennent voyager dans notre pays et leur montrer ce que l'on fait tout en s'adaptant. Un régime alimentaire, une préséance différente, c'est pas grave. Il n'y a pas un bon côté pour servir. On ne sert ni à droite ni à gauche. On sert. On sert le plaisir du client, on sert un moment privilégié.